Les deux frères, je vous le rappelle, avaient dévalisé près de 15 banques en l'espace d'un mois. L'argent recueilli avait été distribué aux pauvres. On les surnomme depuis les Robin des Bois des temps modernes. Nous avons des otages avec nous. Une femme est malade. Elle vomit du sang. Mais nous l'avons isolée. Nous allons la libérer lorsque vous aurez fourni une voiture. De là, nous vous donnerons d'autres instructions. Et si vous tentez d'intervenir, de quelque manière que ce soit, les otages seront tués. Les flambées actuelles de grippe aviaire hautement pathogène apparues en Asie du Sud-Est au milieu de 2003 sont les plus importantes et les plus graves jamais enregistrées. À aucun moment dans l'histoire de cette affection, on n'a à ce jour observé un si grand nombre de pays affectés simultanément. L'agent responsable, c'est-à-dire la souche H5N1 du virus grippal, s'est révélé particulièrement tenace. En dépit de la lutte menée actuellement, le virus continue de circuler en Asie, en Afrique et en Europe et est désormais solidement établi dans plusieurs pays. On pense qu'il faudra de nombreuses années pour avoir raison de cette affection. C'est vraiment des assassins! H1N.